كيلوغرام يعني الوزن الخفيف فبدون إطالة نستقبل الروسي ماكسيم داداشيف ماكسيم داداشيف يتفضل إلى الحلبة Il arrive, voilà, va arriver ce boxeur, Dadashev. Un jeune de 22 ans. Et dans quelques instants, un boxeur qui est connu, hein, il est connu, il a de l'expérience, Mohamed, Amine, OUADAHI, vous le voyez, 25 ans, le même poids, 61 kilos, mais il est 22e actuellement dans la catégorie des 61 kilos, il occupe la 22e place. Beaucoup plus d'expérience. Vous voyez, il est jeune, on le voit sur son visage. Maxim, Dadashev, qui pénètre sur le ring. Et voilà l'arrivée donc de Mohamed Amin. Mohamed Amin, OUADAHI. Vingt-cinq ans, il est connu. Voilà la jeunesse contre l'expérience. Zoltan Salma, qui sera donc l'arbitre de cette rencontre. Trois juges, donc vous les voyez, Len Jean-Robert, Gallagher, Michael William et Basiam Rixing. Ce sera les trois juges donc, qui vont noter les deux boxeurs. Avec, espérons-le, donc une seconde victoire pour la France brésilienne. Без драки. Обмануть. Будет. Avec peut-être le début de la seconde, donc du second combat. Première reprise, Mohamed Amin, OUADAHI dans le coin, rouge. Alors que Dadashev, c'est le début, c'est parti. Oh là, vous voyez OUADAHI qui débute bien, OUADAHI. Il a de l'expérience, OUADAHI. Il veut dès le départ, voilà. Il veut marquer son territoire dès le départ, OUADAHI. Ah oui. On le voit,
il va sûrement être chez le médecin. Il va aller chez le médecin. Il a été touché à l'arcade. OUADAHI. Voilà, il va l'emmener chez le médecin. La décision va revenir au médecin. Il peut boxer. On continue. Encore. Voilà. Il va obligé de se présenter. Il boxe bien Maxime. Voilà, là il réussit à placer sa droite, Mohamed OUADAHI, alors qu'il n'y a plus grand chose, il reste quelques secondes et il pourra aller un petit peu se soigner sur son banc. Encore. Дышал у меня, видите его? Не бросайся, сейчас он пытается тебя встречать. Дернул, провалил, сработал, понял, да? Или через переднюю, а то он подустал, поднагрузился, пытается тебя встречать. И грузи левым боковым. Амин, весь мир бьет. Отлично, не амин. Авантаж по левесу. Водички, лоточки. Молодец. Все ладони, дом. Молодец, дыши. La coupure est grande, la coupure est grande. Début de la seconde reprise. Il va y aller, le boxeur russe. Il sait qu'il va essayer d'approfondir la blessure. C'est à OUADAHI de le contrer maintenant, de pouvoir le rencontrer. Au niveau de l'envergure, le russe, il a beaucoup plus d'envergure que le boxeur algérien Mohamed Amine OUADAHI.
Voilà. Il boxe trop loin. Mohamed Amine OUADAHI boxe trop loin, donc il ne pourra pas. Il faut qu'il aille beaucoup plus avec le russe. Voilà, là c'était bien fait. Encore une fois, il va être obligé donc d'aller voir. Voilà, à chaque fois que Mohamed Amine OUADAHI réussit donc à pénétrer un peu, à se rapprocher du boxeur, il place ses coups. Mais sinon, le boxeur russe, lui, le tient à distance. Il a beaucoup plus d'envergure, il le tient à distance. Avec des coups, il essaye de lui. Il faudrait que Mohamed Amine OUADAHI se rapproche un peu plus. Fin de la deuxième. On va faire. Salut. Вдох, выдох. Не давай вот эти 10 секунд ему взрываться последние, понял, да? Они проявляют активность. Не давай эти 10 секунд. Чувак, ты после меня шли, да. Да ха, خلينا نسمع. Амин, ты прямо на нас. О, да ха, خلينا هنا نسمع. Я не шел, мы шли. Да не, Voici la répétition là.
boxeur russe. Fin de la troisième reprise. Сдулся, пятится. Спокойно, выборочно его разбивает. Не уцепляйся, начинает сбавлять паузу, выбирать. Ты ему даешь ее, не давай. Понял, да? И грузи передний, грузи. C'est encore mieux. Quatrième round va être décisif pour OUADAHI s'il veut revenir dans le combat. Il l'a retouché, ouais. Il l'a retouché à la même place. Il a été retouché à la même place encore une fois. Le médecin. Je pense qu'il va arrêter. Il va arrêter, je pense, le combat. Il va arrêter le combat. On le voit, c'est trop ouvert, ça y est. Regardez. Non, eh ben non, on continue. Voilà, je vous le disais, le combat est arrêté. Merci, c'est une chaîne, pas plus. Mohamed Amine OUADAHI, donc qui perd ce deuxième combat, ce qui nous met à égalité avec l'équipe russe. Vincent Legrand avait, dans les 54 kilos, remporté le premier combat. Mohamed Amine OUADAHI, par cette défaite, donc, permet aux Russes de revenir un partout.
est en suspense, hein, donc c'est le boxeur russe, Maxim Dadashev, qui remporte donc ce combat. Vous voyez déçu un petit peu, Mohamed Amine Oudahi. Il n'a plus de coulement de sang. Le médecin donc a réussi à arrêter. Donne-lui ce micro. وسسبنس كبير تعرفوا قاعة حرشة حسن لمعرفة نتيجة هذه المقابلة اللي من خلالها كان الملاكم الجزائري تعرض إلى إصابة كان ينزف من الدماء يعني من بتيت موغاجي راح نشوفوا الحكام في هذا كانت صعبة 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 كما يقولوا الحاكم الأول كان مد 38 نقطة للجزائري و 38 نقطة للروسي. الحكم الثاني 32 نقطة للجانب الجزائري و 39 نقطة للجانب الروسي. الحكم الثالث شاف أنه الجانب الجزائري أعطاله 37 و 39 للجانب الروسي. ولهذا فالروسي هو اللي ماكسيم هو اللي نجح في هذه المقابلة والمنازلة طبعا نشجعوا المنافس الجزائري على الروح الرياضية ونتمنوا له الشفاء العاجل شكرا سي لو روس كوتي بلو شكرا طبعا هذه هي الرياضة احنا شفنا انه الملاكم الجزائري اعطى كامل واش عنده لسوء الحظ كانت الاصابه خطيره شويه انا اتوندون دونك لو 3ème كومبا المقابله الثالثه اللي راح تجمع في